Toujours cool. Alors pour notre vidéo de ce soir, ça va être simple. On va parler setup, les gars. C'est Et le vlog d'y est. J'ai oublié de faire plein de trucs. J'ai oublié de mettre ce qu'il y avait là avant, là, le générique, on va dire ça. J'avais oublié de faire plein de trucs. Bref, c'était un peu le bordel, le vlog d'hier. Bon, il était un peu lourd aussi parce que, enfin, ce qui a fait que j'ai pas peaufiné la vidéo, ben, c'est le fait que pendant que j'étais en train de faire le montage, le logiciel il était un peu en PLS quoi. Mais voilà. Donc, il est 9h30 passé. J'ai cessé un peu tard pour faire une vidéo. Si vous voulez, aujourd'hui j'avais vlogué un peu. Mais comme jamais rien ne se passe comme il faut dans ma vie, eh ben, on a eu un petit imprévu. Hep, toujours cool. Ben aujourd'hui, là, je viens de recevoir un appel de papa. Il a vraiment besoin de moi. Donc aujourd'hui, je vais aller travailler sur le quai. Moments later. Ben les amis, voilà, journée de travail terminée. Il ne reste plus qu'à sortir la voiture de l'entrepôt et fermer l'entrepôt. Après quoi, ah oui, je pourrais me permettre de rentrer chez moi. Pour faire court, j'ai dû aller faire un remplacement à mon ancien travail alors que je suis pas censé aller retravailler là-bas. J'ai morflé, on va dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo que maintenant. Dès que je suis arrivé du travail, j'ai passé un petit moment avec mes enfants. Et comme j'avais déjà mal à la tête avant d'arriver à la maison, donc ça n'allait pas bien et j'ai dû aller me reposer vite fait, tout crado. Mais voilà, là je suis là, je fais ma vidéo. Je me suis promis que j'allais me faire mon journal personnel vidéo. J'essaie de tenir le truc. Alors, pour ce soir, on va parler setup. Parce que vraiment, aujourd'hui, en essayant de vlogger avec, ben, j'ai vu que ça se passait bien, qu'il était efficient, on va dire. J'avais bien imaginé le truc. Enfin, je suis vraiment fier de moi ce coup-là. Avant de vous parler de ce setup, il faut que je vous raconte son histoire. Comment il est né, en fait, d'où il vient. En fait, si vous voulez. Pour ceux qui savent pas, ça fait un petit moment que je fais des vidéos sur YouTube sous le format vlog et ben, j'adore ça. J'aime faire des vlogs. Maintenant, j'ai des principes qui font que ben, même si j'ai pas ce qu'il faut, j'essaie de faire en sorte que ce soit top côté qualité. Ah, je suis passionné par la vidéo et tout le monde, tous ceux qui sont passionnés par la vidéo, ils savent que la vidéo, ça fait que 50% du travail. Le reste du temps, c'est le son. Si ton son est nul, on va dire personne ne va regarder, personne ne va rester. À côté de ça, moi, comme je disais au début, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des vlogs. Et tous mes vlogs, n'ayant pas de gros moyens, je les fais avec mon téléphone qui me filme en ce moment. Et puis c'est tout. Maintenant, le problème, c'est que il n'y a pas très longtemps, les micros de mon téléphone, ils ont commencé à bugger. On va pas parler les enfants, mais d'après moi, c'est parce que je laisse trop mon téléphone avec ma fifi et ma fifi elle a piqué mon téléphone dans sa bouche. Et maintenant, les micros stop, ça marche plus en gros. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté, enfin, j'ai monté ce setup là. Alors j'ai monté le setup avec ce que j'avais déjà, hein. C'est-à-dire une pêche selfie avec au bout fixé un micro, pas très triché mais qui fait quand même le taf. Et ben, le téléphone. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est câblage.
Mais j'ai imaginé ce setup vite fait, mais pour répondre au fait à mes besoins concernant les vidéos. Et comme je m'étais déjà fixé cet objectif de faire mon journal personnel vidéo, ben, il fallait que je me débrouille pour que je puisse continuer les vidéos. Et voilà, ça c'est son histoire. Maintenant, pourquoi je dis qu'il est efficient et compagnie? À la base, quand j'ai imaginé ce setup-là, c'était vraiment juste pour répondre à la question comment je vais enregistrer le son. En montant le setup, bon, c'est pas du montage de qualité. Moi, je suis un aficionado du système D. Les moyens sont pas là. Système D. Mais en montant le setup là, je me rends compte en fait qu'il va me servir à plein de choses. Là, déjà, j'ai cru que j'allais pas pouvoir stabiliser les vidéos, mais apparemment, ça va. J'ai cru que j'allais pas pouvoir enregistrer loin, mais apparemment, ça va. J'ai aussi cru que la mise en place du setup, enfin, tout ce qui est quand je commence à filmer et tout, le branchement et tout, ça allait être chiant, mais apparemment, ça va. Un des gros points noirs de ce setup-là, c'est que si on regardait comme ça, là, j'ai le bras tendu et tout ça, c'est le setup. Question encombrement, c'est pas trop. C'est pas trop joli, joli. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur TikTok. Peut-être ces temps-ci, vous allez voir en ville ou à Hyper-U, Carrefour, enfin, un peu partout. M1 avec une grosse pêche et plein de bordel dessus. Chez M1, ça sera moi. Enfin, je vous explique pourquoi. Ça, c'est mon micro. Et ça, c'est la perche. C'est aussi je fais mes vlogs avec parce que mon téléphone, le micro de mon téléphone, il bête. Donc, si vous voyez un comme ça, c'est moi. Si vous voulez me une meilleure fois, venez une meilleure fois, je vais pas vous manger. Et voilà quoi, c'était parce qu'en fait j'avais honte d'aller me promener avec ça. Je compte retourner en ville et vlogger en ville. Mais avec ça fait un peu honte en fait. J'adore vlogger, je dis pas le contraire. Juste le problème c'est que ben, j'ai remarqué déjà quand j'ai fait le vlog de lundi, là, celui que j'ai pas publié. Ben, en fait, ça fait honte aussi de tenir une caméra devant tout le monde et de parler à ton téléphone alors que tu te filmes, tu vois. C'est pas trop ça, quoi, ici à Tahiti. Enfin, il faut dire, les gens ici à Tahiti sont pas très habitués de voir des gens qui vloguent, quoi. Au pire, les gens, ils te regardent comme ça. Mais ça va, tu vois, c'est pas du style. Avec son téléphone. Bon, après, il y en a d'autres. Je suis sûr, c'est ça. On va dire le contraire. Je suis sûr, ça existe. Il y a un autre se la pète avec son truc pour vlogger. En plus, il a juste un iPhone 7. Eh, les gars, bon, si je rêve d'avoir un iPhone 13 Pro Max ou je sais pas quoi, là. Mais j'ai pas les moyens, c'est tout. Je fais avec les moyens que j'ai et pour le moment, ça. À mon humble avis, ça marche bien, tu vois. Bon, moi, ça m'intéresserait vraiment de faire ça avec du vrai matos. C'est à la base, c'est pour ça que je suis passionné. Je suis très matériel, en fait. Et ben voilà quoi. Ça fait honte. Enfin, bref. Je pense que c'est le moment de passer à la partie pour les enfants. Eh ben, les enfants. Fait simple, vous avez vu papa monter le setup. Peut-être que vous vous en souviendrez plus à l'âge où vous verrez ces vidéos, mais vous avez vu papa monter le setup. Vous vous rappellerez certainement pas, mais vous m'avez posé plein de questions. Papa, il a répondu à toutes vos questions, mais vous vous rappelez plus de vos questions. Et ben, c'était simple, c'était papa, qu'est-ce que tu fais? Et la réponse était j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et ben, pour vous, l'enseignement ce soir. Aujourd'hui, ben ça va être ça en fait. Pas d'améliorer la qualité de vos vidéos, mais d'essayer, de toujours essayer de faire en sorte ben, d'améliorer la qualité de votre vie. Papa et maman, on a toujours essayé de faire ça. Avec nos petits moyens, on a toujours essayé de faire en sorte de vous offrir ben, ce que vous vouliez. Et ce que vous avez besoin, ben, on s'est forcé de vous le donner. Mais ben, ce que papa veut vraiment que vous reteniez au travers de cette vidéo, c'est que le système D, faut pas en avoir honte quand on n'a pas les moyens. Le système D, c'est ça marche quoi. Et les enfants, vraiment, système D, ça marche bien. J'ai même vu un commentaire, merci pour ton commentaire, hein, qui disait que ben, le son il est au top. Ben, franchement, merci pour ce commentaire. Et ben, vous voyez, c'est une preuve que le système D, ça marche.
Mais voilà, c'est la leçon de ce soir, les enfants. Faites toujours en sorte d'améliorer la qualité de votre vie et n'ayez pas honte d'utiliser le système D. C'est quand on n'a pas les moyens, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, voilà. Un bisou.